comme il est prêt, aller jusqu'au bout de nos convictions pour obtenir gain de cause. Ça fait près de 70 rencontres qu'on tourne à la table de négociation. Il n'y a à peu près pas d'avancée. Tant que ce gouvernement-là ne donnera pas de mandat à ses porte-parole patronaux pour qu'ils puissent avancer à la table de négo, ça n'avancera pas. Nous avons derrière nous, c'est historique, on n'a jamais vu ça en éducation. La population qui nous appuie, les journalistes, les artistes qui nous appuient, le seul groupe qui n'a pas compris, c'est le gouvernement! Ça va bien aux tables? On se voit? On se rencontre? Oui, mais nous autres, on ne veut pas se rencontrer, on veut négocier! Je suis parce que je représente les enseignants, les étudiants d'enseignement de l'Université Laval. On vient de partir un comité de mobilisation qui a pour but de sensibiliser la communauté universitaire aux coupes budgétaires en éducation et aux revendications syndicales des enseignants. On considère que ça nous touche énormément puisqu'on parle de notre future profession. On veut éviter qu'une génération complète, qu'une cohorte d'étudiants soit hypothéquée par des coupes budgétaires sauvages, donc qui s'inscrivent dans une vision de l'éducation que nous refusons. Je ne peux pas croire que ce gouvernement-là ne nous donnera pas des réponses. Nous voulons négocier. On ne veut pas seulement se rencontrer, on veut négocier. S'il vous plaît, donnez des mandats aux tables de négociation. Nous voulons revenir le plus rapidement possible à des journées normales dans nos centres et dans nos écoles. Et pour ça, on a besoin que le gouvernement donne des mandats aux tables de négociation. On veut les causes qui nous joignent le plus, nous autres, c'est les services aux étudiants, aux élèves. Donc, on parle de suppression de 265 postes de professionnels, les orthopédagogues, les conseillers pédagogiques, les psychologues, toutes des choses, des ressources aux enseignants qui vont nuire aux services offerts aux élèves, évidemment. On parle aussi d'une augmentation des nombres d'élèves par classe. On parle aussi de la suppression des valeurs pondérées. C'est inacceptable. Puis on juge que le système devrait avoir ce qu'il y a de mieux pour les élèves. On ne voulait pas cette grève-là, comme le reste de la population. On a subi cette grève-là parce qu'on croit en l'éducation et qu'on se bat pour tout le monde au Québec. On lâchera pas! Solidarité!